Massa. C'est comme la leçon le disait. Il a dit que le monde s'est emparé de l'Église. On dit que si le monde entre dans l'Église, c'est que dedans et dehors c'est copie conforme. Et la maison se trouve à quel niveau? Nous qui sommes ici, c'est un sanctuaire, juste un temple. En fait, ce sont nos cœurs qui sont appelés maison de Dieu. Il est dit que le monde est entré dans la maison de Dieu. Pour dire qu'ils ont analysé la vie des fidèles de Jésus. Ils ont trouvé que ça ne ressemble plus à des fidèles de Jésus. Ils sont presque pareils à ceux du dehors. Ils prennent l'alcool comme ceux du dehors. Pratique l'impudicité comme le monde. Il fraude comme le monde le fait. Et il n'y a pas un bon témoignage. Ils sont pareils au monde. Voilà pourquoi il est dit. Et le monde s'est emparé de la maison de Jésus. Seule la sanctification peut déloser le monde. Sinon, il n'y a pas d'autre ici. Parce qu'il est déjà dedans. C'est pas la repentance qu'il va ressortir. Pour cela, nous lisons dans Psaume 51. Le thème intitulé la sanctification détruit les tristesses, la force des tristesses. La sanctification détruit la force des tristesses. Psaume 51:3. Je vais le lire. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde. Selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi. Contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence. Sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais, tu veux que la vérité tata yam yam. Soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face.
si ya shonga mampuye. Ne verrait-il pas de ton Esprit Saint? L'emsimam sunu ninga yam fangra sen kont. Rends-moi la joie de ton salut. Kourlre mam yam shoma. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Mam nan jam sa ninki hidba yam shole. J'enseignerai à tes voix à ceux qui les transgressent. Et les pécheurs reviendront à toi. Là que je voudrais qu'on médite. Les péchés. Il y a eu quelqu'un. Sachant que le péché peut séparer un homme avec son Dieu. Et que les maladies agissent aussi. De même que les tristesses. La mort agit dans les péchés. Non, la pauvreté de même. Voilà pourquoi il dit when, Dieu ait pitié de moi. Par ta miséricorde. Selon toi, ta bonté. Selon toi, ta grande bonté. Car en ce qui me concerne, si je regarde, j'analyse mes actes, tout ce que tu me recommandes de faire avant d'être béni et être en bonne santé, si ce n'est pas par miséricorde, mes œuvres ne me donnent pas la paix. Mon obéissance ne pourrait me donner la paix. Moi, est-ce que tu fasses preuve de miséricorde? C'est une requête noble. Avant de dire à Dieu, efface ma transgression. C'est une prière. Car il ne peut commettre le péché. Mais il ne peut pas l'enlever si ce n'est Dieu. Il reconnaît seul Dieu peut ôter le péché de l'homme. Voilà pourquoi il dit à Dieu, efface ma transgression. Lave-moi de mes iniquités. Efface mes transgressions. Pour que je sois complètement pur. Que Dieu vous aide. À reconnaître que vous êtes impur. Ainsi vous allez demander. Reconnaissez que vous n'êtes plus normal. Mais si vous ne savez pas que vous êtes sali. De telles prières vous n'allez jamais le faire. Ben, c'est quelqu'un qui c'est qu'il est impur. C'est dans le domaine spirituel en fait. Voyez. Il nous a montré. Verset 6. J'ai péché contre toi. Contre toi seul. Pour dire qu'il ne bagarrait pas avec les autres. La... Mais ce que Dieu lui a ordonné de faire qu'il n'a pas pu faire. Il a regardé que vis-à-vis des hommes, il n'a pas de problème. Il a dit, c'est contre toi. Tu me recommandes la fidélité. En fait, je n'ai pas pu. C'était désobéi. Tu m'as recommandé l'amour. Je n'ai que la haine et l'emportement. J'ai péché contre toi. Tu m'as recommandé la patience. C'est la colère seulement que j'ai. J'ai péché contre toi. Voyez. J'ai péché contre toi. Il y a des moments où vous devrez savoir que il se peut que vous n'ayez pas de problème envers un homme, mais envers Dieu. Il a dit dans sa prière, Dieu, c'est contre toi seul j'ai péché. Dieu sait que tu vois ce que j'ai fait. Tu vois mon ivrognerie. Tu vois mon impudicité. Tu vois ma rébellion. Tu vois mon mensonge. Il y a des gens qui ignorent que Dieu voit leur péché. Voilà pourquoi il se sanctifie. Ça, c'est que Dieu voit. Cela peut vous inciter à aller vous répentir. Ça interne depuis sa conversion, il se sanctifie. Je pense que Dieu est aveugle. Voilà pourquoi il ne se sanctifie pas. C'est sans importance. Reconnaissons que nous devrons
nous sanctifier de temps à autre. Mais c'est quelqu'un qui connaît les propos de Dieu. Il a dit à Dieu, tu es juste dans ta sentence. Tu aimes de tels propos. Ton jugement est adéquat. Tu n'accuses personne. Tu ne fais la force à personne. Ton jugement est adéquat. Si quelqu'un fait du bien, qui s'en va aussi. Sinon, à l'enfer. Mais en faisant le mal, si tu reconnais le mal et tu le prends, ton jugement est adéquat. Oui. S'il s'endurcit le cœur, et pour lui le péché n'est plus péché, et qu'il ne parle pas se répentir, ton jugement est juste. Il est digne d'aller en enfer. Ton esprit doit le relâcher pour ne plus l'accompagner. Parce que le péché lui plaît. Si l'esprit de Dieu lui plaît, il va continuer à faire davantage. Parce qu'il a eu de la motivation. Voilà pourquoi beaucoup ne bénéficient plus de la compagnie de Dieu. Parce qu'il veut le mal. Et pourtant, le Saint-Esprit a été envoyé dans le but de l'aider. Et ton désir a emprunté une voie qui est mauvaise. Tu et l'aide, le consolateur le laisse. Parce que s'il devrait le conduire dans ce qui est mauvais, il va faire pire. Dieu ne veut pas le mal. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes et de femmes n'ont pas la compagnie de Dieu dans beaucoup de leurs affaires. Parce que leurs choix et désirs ne sont pas bons. Parce que la justice de Dieu dépasse l'homme. Ben, si quelqu'un se lève, je cherche une corde attachée à ce bois, voulant se pendre, chercher un banc. Et il cesse de secours pour juste pouvoir monter et se pendre. Je vous assure qu'il n'aura pas beaucoup d'aide. Parce que les gens vont refuser. Et pourtant, Dieu est plus juste et plus bon que l'homme. Si vous ne pouvez pas accompagner quelqu'un à aller se pendre, l'Esprit de Dieu ne ferait jamais de telle chose. Il ne va jamais accompagner quelqu'un à faire le mal. Non. Si Dieu voit que en empruntant la voie de l'impudicité, vous allez tomber dans le sida, le Saint-Esprit ne va pas vous accompagner. Celui qui vous pousse, c'est l'Esprit du diable. Pousse-le à aller mourir. Ça, c'est l'esprit du diable. L'esprit de Dieu, l'esprit du diable vous conduit et vous apprend à boire, prendre l'alcool. Il va vous conduire dans la divination. L'esprit du diable va vous conduire à vous initier dans l'idolâtrie. Et après, ce sont les idoles qui vont vous engouffrer. Voilà la compagnie des esprits méchants. Ben, quant à l'esprit de Dieu, la campagne dans la bonté. Si quelqu'un désire du bien à autrui, l'esprit de Dieu le motive. Et tu es content de faire. Tu mets la main dans la poche. Et prends quelque chose pour boire de l'eau. Ça, c'est la compagnie de l'Esprit de Dieu. Voyez. Viens, on va aller manger. Ça, c'est la conduite de l'Esprit de Dieu. Je t'invite chez moi. Nous allons manger et boire ensemble. Ça, c'est la conduite de l'Esprit de Dieu. Voyez. Mais la compagnie des démons. Là, il faut me rencontrer dans ce bar. Là, c'est la conduite démoniaque. Vous savez que c'est un fidèle de Jésus qui est au bar. Ne sais pas bien regarder. C'est un fidèle. Oui. Ça, c'est la conduite des démons. Et ces démons en question ont conduit quelqu'un à suivre un monsieur dans une buvette. Buvette à côté, moi. À côté de cette buvette, il y a une femme qui préparait son haricot. Et j'ai prié jusqu'à la tombée de la nuit. Et les gens m'ont libéré
Je suis allé pour juste acheter le haricot et venir dormir. J'ai pris mon plat de haricot. Et le frère en question avec son compagnon sont venus juste à côté de cette buvette qui était proche de madame qui vendait le haricot. Le païen a dit deux bouteilles de bière bien fraîches là. Et notre frère en Christ a chingwena ko. Il a commencé à faire le tour. Quand il a fait le tour, on s'est croisé. Il a répliqué chez moi, c'est le Fanta maintenant. Vous voyez. Les démons conduisent les gens à aller boire. C'est ça l'importance. L'auteur dit oui, non, je suis là, je suis là pour le verset 8. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Hein? Ouais. Si dans un bureau, il parle sur pour un. Si un homme a la vérité au fin fond du cœur, même si cette vérité ne plaît à personne, la parole dit, cela plaît à Dieu. Le Dieu que tu ne vois pas de tes propres yeux. Dès que quelqu'un a la vérité en soi, la vérité plaît à Dieu. Pour dire que c'est joint à cette personne, il est avec lui dans sa vérité. Il est fidèle à l'égard de Dieu. Il a dit à Dieu, quand il a fini de parler au verset 7, il a dit au verset, je suis né dans le péché. Voici ma mère. Elle m'a conçu dans le péché. Il n'a pas menti. Vous voyez. Pour certains, la maman a été dupée et pour la prendre comme une femme, sa femme. Et elle sait. Ti pour jindi une grossesse s'installe. Ti ni ni nda yela wa lebsa no rapport. Le prétendant, il résiste maintenant à ce qu'il avait dit. Donc le yo pour, c'est une grossesse de quoi, d'adultère. La belle pour et de séduction. Kayel wen chita. N'est-ce pas que c'est un péché? Yambende. Voyez, ta yela mama wali kama pour yele wona men. Il a dit ma mère m'a conçu dans le péché. Hein? Ouais. Et la parole de Dieu qui dit que la jeune fille ne se déshonore pas. S'est déshonorée, elle a piqué la grossesse pour mettre au monde un enfant. L'enfant naît dans le déshonneur et dans l'adultère et dans la rébellion à l'égard de Dieu. Il est reparti à la source même de sa naissance pour se sanctifier. Vous voyez. Il est parti à la source. Il y a de ces naissances-là qui... Et tout le monde ne recherche pas des femmes pour des enfants. Et beaucoup de femmes n'obéissent pas pour des enfants non plus. Maintenant, si vous n'êtes pas en accord pour un enfant, et si jamais une grossesse s'installe, c'est un enfant à parler. Parce que des enfants, des gens qui ne se sont pas aimés. Pour certains, quand ils font le tour et puis ils ne gagnent rien. Quand ils rentrent avec madame et puis à grossesse, ils se mettent en colère. Parce que ça ne va pas et tu continues d'accoucher. Jamais ils mettent au monde cet enfant issu des bagarres, l'enfant est à parler. Et l'enfant n'a pas été désiré en fait. Et l'enfant est venu tout de même. Et ces enfants, dès qu'ils grandissent, c'est vraiment difficile. Et c'est comme si on les a loupés à les égorger. Parce que ces enfants n'étaient pas désirés. C'est par la crainte de Dieu qu'ils l'ont mis au monde. Ils n'ont pas bénéficier de l'amour paternel ni maternel. Certaines femmes prennent pique la grossesse.
Et le monsieur dit, il faut que tu avortes. Et certains même supplient, demandent. Laisse l'enfant venir. Laisse l'enfant venir. Il est non. Certains disent non. Moi-même, je le rencontre avec lui. Lui, là, il vient jamais ici. Et certains arrivent à faire avorter. Mais certaines femmes n'avortent pas. Et cela existe. Il y a des gens qui naissent dans ce qui n'est pas. Si vous séduisez une femme et qu'elle tombe enceinte, l'enfant est né de la séduction. Et si vous devrez vous marier et l'enfant refuse, la maman refuse, voilà, ou bien le père refuse le mariage, ou bien la famille, et lors de votre mariage ce fut vraiment des disputes, si continue dans ça pour mettre au monde des enfants, les enfants naissent dans ce qui n'est pas bien et ses enfants souffrent parce que les démons voient. Les parents n'étaient pas, n'avaient pas agréé. Les enfants sont loin de la bénédiction. Ouais. Et le roi David était de ce cas, il s'est sanctifié. Et l'enseignement peut vous aider. Sachez. Et quand je mettais au monde Alphonse, en fait, je ne cherchais pas d'enfant. Donc là, avec un décapour. Eh bien, puisque sa maman est tombée enceinte, je n'ai pas accueilli cet enfant avec amour. J'ai mis l'enfant dans les problèmes. Demandant pardon à Dieu. Alors, l'enfant a une vie en béni. Ou bien ouais. Vous n'avez pas demandé pardon à Dieu de ce que vous avez fait. Je sais que l'enfant n'ait pas cette sagesse comme ce monsieur pour dire que sa maman lui a conçu dans le péché pour se repentir. Parce que cela dépasse son entendement. Et l'accouchement n'a pas été normal aussi. Vous voyez. Certains du moins piquent la grossesse d'un autre monsieur et viennent inviter leur mari. Et pourtant la grossesse est d'un autre monsieur. La parabole mi. Seule la femme est au courant de ça. Que l'enfant n'est pas authentique à son mari. Ses enfants sont nés dans le péché. Mais c'est de l'hypocrisie. De l'adultère. Les sorciers broient ses enfants. Vous voyez. Il vous faut vous sanctifier. Sinon ses enfants sont en grand mal. Pique la grossesse, casse cela à leur mari. Frère, sachez que la vie découle de la repentance, de la sanctification. Ma mère m'a conçu dans le péché. Beaucoup enceintes de femmes. Et ils refusent la grossesse. Et fait de leur mieux. Il est pour. Que leur mari légal même accepte la grossesse. Et ses enfants sont nés et Satan les embauche. S'il devient un grand homme, les démons les utilisent pour les faire sortir des écoles. À aller nuire les études des autres. Et maintenant avec les grès, vous ne comprenez pas. En fait, des enfants, ils sont issus d'une grossesse non désirée. Il n'y a pas de crainte de Dieu. L'auteur nous dit, efface mon iniquité avec de l'hysope et je serai pur. Lave-moi, je serai blanc. Comme, plus que la neige. La Bible qui te montre que nous massons. Annonce-moi l'allégresse. Si toutefois tu as agréé ma requête, Bible qui te montre que nous. Annonce-moi la joie.
Il me rend la voix tenue chez nous. Vous dites que la sanctification amène la joie. Et tu peux te réjouir. Voilà ce que la repentance, la sanctification amène. S'il y a un problème dans la vie d'un frère chrétien, ou bien s'il y a des problèmes dans la vie d'une sœur chrétienne, et cette personne désire la joie, fais de ton mieux. Car ce n'est pas Dieu qui va te donner dans ça. Non. Dieu ne va pas te donner. Mais tu essaies seulement de faire semblant de sourire. Tu te tais. Parce qu'il ne peut pas s'éclater. Il y a quel saut dans le cœur. Oui. Et de favoriser qu'un tel ne cause pas. Est-ce qu'il peut causer? Il y a quelque chose dans le cœur. Il ne peut pas causer. Et vous voulez que certains même sourissent? Certains essaient de mentir. Ils ne peuvent pas sourire. Parce qu'il y a un problème dans le cœur. Si quelqu'un se réjouit, c'est qu'il n'a pas un problème envers son Dieu. Même si vos chants sont bons. Et si quelqu'un a des problèmes, il ne peut pas danser. J'allais demander de taper les mains en vain. Il n'a pas la joie. Répentez-vous, sanctifiez-vous. Il a dit... Après la sanctification, les eaux que tu as brisées se réjouiront. Voilà ce que la sanctification fait. Les maladies incurables qui étaient en vous là, dès que vous vous sanctifiez, ces maladies s'en vont. Les malédictions et leurs maladies ont peur de la sanctification. Dès qu'un fidèle s'endort, et il essaie de se sanctifier, le sommeil s'en va. Voyez. Il a dit, cache ta face de mon iniquité. Efface toutes mes iniquités. Il s'est conduit dans la présence de Dieu. Efface mes iniquités et mon péché. C'est moi, je l'ai commis. Mais à moins que toi, tu l'enlèves, je ne suis plus capable de les annuler. C'est bien que chaque fidèle s'invite dans la présence de Dieu et se sanctifie. Sinon, tu n'auras pas la paix du cœur. Amenez-vous. Parce qu'une certaine fois, vous empêche de ne pas y aller. Parce que si vous partez, vous allez vous sanctifier. Vous serez plus blanc que la neige. Et le diable va vous donner deux avis. Non, laisse demain. Non, c'est Dieu la laisse. Tu n'as même pas encore fini de faire. Non, laisse prochainement. Dans la vie de beaucoup, l'esprit du diable parle de la sorte. Fais tout pour triompher le diable. Hein? Ouais. Tu sais le jour de ta mort? Tu laisses le diable dans ton cœur, il propose, il décide de ce qu'il veut. Toi, tu dis vraiment. Aujourd'hui, là, je n'ai pas le temps. Je vais aller demain. Après demain. Et si la mort t'arrête? Aïe, diable. En quoi cela t'est profitable? La sagesse donnée, c'est pour ton aide, femme. C'est pour ton aide. Tu dis ta sagesse pour te délivrer. Parce que tu n'es pas le maître de ta vie. Tu ne sais pas quel jour tu vas quitter ce monde. Vous voyez? Si quelqu'un meurt dans le diable, les démons viennent le récupérer sans importance. Je me rappelle d'un jeune homme qui est mort par accident. Je suis allé au cimetière. Pendant l'ensevelissement,
m'a montré des démons noirs qui sont venus du ciel. Là, un vieux char là. Avec des avions tout noirs. Mais pour les gens, c'est infidèle. Mais ceux-là qui sont venus accueillir son âme, son esprit, ce sont des démons de l'enfer. C'est ça important. Ne mourrez pas avec les problèmes. En fait, tu n'es pas le maître des problèmes. Les problèmes, c'est du diable. Si tu mets, il y a quelque chose en toi, il va venir prendre. Ne meurs pas avec des problèmes, des péchés. Gloire à Dieu. Vous ne pouvez pas ne pas mourir. Parce que ça a été déjà. Pourvu que tu ne meurs pas avec des péchés. Ouais. C'est là l'avantage. Mais bon. Ou bien. Ouais. Si tu meurs sans faute, même si les gens ne viennent pas à ta tombe, ben, tu es élu déjà pour les gens. Mais si tu mets que les gens viennent en file indienne, tu dis que même les cas ne sont pas venus à bout. La mort en question. Et ce cadavre a été escorté par des motards. Par des motards. De même, les démons sont venus. Que chacun fasse de son mieux. Ne pas mourir avec un péché, un seul péché. Au verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Si tu as des avis de Dieu et tu ne fais pas de ça ta prière, et tes pensées sont comme des jeux de lumière, tu n'en sais même à quoi ça ressemble. Tu sais que ton Dieu est capable de tout. Tu ne pries pas pour tes doutes. C'est pas que cela te prive de beaucoup de choses. Tu n'as pas la pureté. Tu ne peux plus prélever les dîmes. Demande à Dieu la pureté de Dieu. Sinon, tu deviendras voleur de Dieu. Voyez. Demandez à Dieu. Parce que le voleur n'entrera pas au ciel. Il va se limiter qu'à l'homme de l'église. Va nulle part. Demandez la fidélité, l'intégrité à Dieu. Qu'il vous aide. Parce que faute de la fidélité, vous n'allez jamais cesser de critiquer les gens. Les problèmes des gens. Ben, ces problèmes deviennent vos bibles. S'il vous manque la fidélité. Des propos noirs. Ouais. Propos noirs. En causant, c'est qu'un tel a avorté. C'est qu'un tel a commencé à parler des propos noirs. S'il vous manque la pureté, c'est pas bien. Ne me rejette pas loin de ta face. Car s'il y a un problème, un péché dans ma vie, ce n'est pas le diable qui viendra m'amener. Dieu, tu vas me rejeter. Et je vais aller tourner dans le vide. Et Satan viendra me récupérer là-bas. Voyez les conséquences du péché. Dieu chasse les pécheurs, les péchés devant sa face. Jésus a versé son sang. Tu ne te maîtrises pas. Et tu as commis l'impudicité. Tu voles. Tu fraudes. Et si c'est comme ça, tu as commis des. Tu refuses ça tout devant. Et la mort vient te ramasser. Dieu chasse de tels esprits de devant sa face. Allez-y en enfer. Et le diable est assis, il voit un esprit présenté. On t'a chassé? Il n'a pas nulle part où aller. En tout cas, ici, à la place. Vous voyez, il t'installe. Il y a un moment, Dieu m'a présenté là où les gens s'en vont après leur mort. Là, il m'a montré un frère qui allait mourir par accident. Je me suis levé, j'ai prié. Et il m'a montré deux démons qui sont sortis d'une tombe pour me combattre. C'est après cela qu'il m'a montré la destination des esprits des gens. Deux minutes après, des gens disparaissent.
Pour dire que les gens meurent. La vie est tout de l'autre. Et l'étendue. Faut me rendre coucou auto. Si tu t'y apparais. Faut me boire un chien d'attente. Tu sais ton coin pour aller t'asseoir. Quand elles en ont. C'est pas le ciel. Yaman, comment. Il y a une tindire de quoi ma quoi. Yaman qui que son œil. Faites de votre mieux pour recevoir ces paroles-là. Sinon, si vous mourrez, c'est pas bien. Hein? Ouais. Yaman qui. Si vous mourrez, c'est les gens vivants sur terre qui pleurent. Arriver là-bas, c'est comme les gens assis aussi. Hein? Ouais. J'ai même pas fait plus de 5 minutes. Ouais. Les gens apparaissent dans l'au-delà. Ceux qui meurent là. Une dame géante a apparu. Et elle se moquait, il se moquait là-bas. Quand la femme a apparu, la mine est serrée. Là, la connaissance est claire. On et les autres se sont moqués d'elle. Ils ont dit, il faut y mourir en faux. À toi, on t'a fait la force. C'était pas ton temps. Mais elle ne pouvait plus faire marche arrière. Il y a des femmes qui s'éloignent de la connaissance. Ça ne sent pas que Dieu a établi la hiérarchie. Et quelque chose d'autre peut t'engouffrer. Voyez. Sanctifiez-vous. Ne vous endurcissez pas. Parce que ce n'est pas bien de s'endurcir le cœur. Le roi David a dit. Rends-moi la joie de ton salut. Parce que après que tu m'aies pardonné, l'esprit de mort s'en ira et l'esprit de vie va prendre la place. Le péché qui était venu dans ma vie, ton esprit avait le droit de me quitter. Ne me retire pas ton esprit. Donc, comment on arrive à la fin? Pour ceux-là qui ne se sanctifient pas, la parole dit ici, l'Esprit de Dieu va sortir. L'Esprit de Dieu va te quitter. Te laisser toi et puis ton esprit. Qui ne peut plus chasser un démon. Sanctifiez-vous. Parce que vous appartenez au ciel. Il a dit que si Dieu le traite de la sorte, il va enseigner à ceux-là qui se trouvent dans le péché, qui sont des pécheurs, à venir à Dieu et se sanctifier. C'est ce qu'il a dit. Je vais enseigner aux pécheurs à venir à se faire pardonner leur fraude, leur colère. Être pardonné de leur rébellion. Voilà que nous vous enseignons. Nous étions des idolâtres. Dieu nous a délivrés. Voilà, nous vous invitons à venir. Vous dites que la parole est accomplie. Gloire à Dieu. Nous allons nous sanctifier. Que chacun soit fidèle à Dieu. Si en vous répandant, vous n'avez pas la paix de cœur, venez voir les responsables. Ils vont vous aider à vous comprendre. Ce serait bien. Est-ce qu'on se comprend? Ouais. J'aimerais parler aux colériques. Faites de votre mieux car Jésus, l'avènement de Jésus est proche. Il y a des gens qui tentent d'abandonner, d'arrêter leur colère, mais en vain. Cela se révèle. Ça veut dire que Dieu n'est pas content. Voulez qu'il vous traite quoi, même. Il vous enseigne, il vous enseigne. La colère nuit la bénédiction. Le diable qui est en relation avec la colère. Permettez à votre cœur de monter. À tel point que cela puisse se révéler pendant la prière. Nous avons lu ici, il est dit que le péché apparaît devant Dieu. C'est pas bien. Arrêtez vos colères. Il n'y aura pas ce jour. Oh, vous qui êtes avec les gens, les gens vont vous obéir avant que vous ayez la paix du cœur ou la passion. Arrêtez de vous mettre en colère et laissez les gens. Sinon, les gens ne vont jamais se transformer avant que vous arrêtez votre colère. Est-ce qu'on se comprend?
Je n'y crois pas. La colère n'est pas bien. Dieu nous aime. Mais si nous tenons ce qu'on ne peut pas tenir et aller au ciel, là, la faute ne reviendra pas. Tout de suite, vous serez pardonné. Mais vous voyez les femmes qui prennent leur sac, arrivent et déposent leur sac. Et le sac de la femme est devant elle. D'autres les sanctifications c'est ainsi. Quand ils finissent, ils prennent un coin et puis ils les mettent. Voyez. C'est pas qu'ils ne vont pas les sanctifier. En fait, ils mettent à côté pour les prendre juste après. Sans importance. Si vous vous sanctifiez, rejetez loin le péché là. Gloire à Dieu. Ce que je vous demande. Le diable a fait que la tension monte dans les maisons. Ce n'est pas chez vous seulement. C'est partout. Je vous montre. Ayez la patience. Parce que c'est partout cette fièvre dans les familles. Est-ce que vous pouvez prier ensemble encore? C'est partout. Et le diable vous guette. Arrêtez de vous disputer. Mettez-vous en accord ensemble et priez. Ne laissez pas votre prière familiale s'éteindre. C'est sans importance. En fait, quand vous ne priez plus ensemble, c'est le diable qui vient implanter sa volonté. Vous ne pouvez plus prier. Il vous guette, il vous désire. Que l'homme arrête pour lui, le monsieur arrête pour lui, la femme aussi. Et que la prière s'installe à nouveau. Dans vos maisons respectives. Le Saint-Esprit est affligé. Du fait que vous ne priez plus ensemble. Et pourtant, c'est le temps de prier plus que jamais. Saint-Esprit est affligé. Priez. D'un commun accord. Et vous serez plus que vainqueur. Vous allez chasser vos ennemis. Est-ce qu'on se comprend? Arrivez à la maison, mettez-vous en accord, priez ensemble. Et vous allez vaincre l'esprit de mort. Au nom de Jésus. Ensemble, priez. Demandez pardon à Dieu, pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Adiam ya tira adiam to kabe faar biniyam yo so biniyam yam katou kontou le jinto hallelujah hallelujah faar na ba jiti vi tour na ba jiti vi ya weria yam korop la parba tout man rob yelia afi ketin tinya yam wakat tout man rob yelia yam ketin peneba adiam gom na pitsu ga la roque la parab souligna am manakar wen tole am manakar de jito wen nam son kato jarsin ki ke ne pou joyelle jarsin ki en ki ne no lom kalam yelle en ki ni shuno kalam yelle wen nama yam gaba yelam ya ti tan ko yam ti am yi jere wena yam sakdam na yam yi dem ya rin ki tib ki la ya in koti am ya ti yibi yana wena wa bam da kila kadan wende ya yele mo na yibo kat la no plat pam ko lor diam man kan dara ba ya sowa man kan ta ma ya sowa ya no plat pam bam ba sou le chama wusro ne bi jansa pou ko hinki wa ab sou le chama wusro ne bi le poro wa ab sou le chama wusro ne bi nongol ma ma ya le to wa na ko hi sugure ti pi nongol ma kimi toro wona mkatu ya rop la pam sou le cham même congrès te be wona mtor mbana gato biyala wende yam ya ni ban jota yam ya jno ngolam shoka wona mkatu rima ari ya likinda gubugu rop la parba ari ya likinda gubugu ngulikiti ya sutan de lare la bshikra me masa la kora ye wona bour masa la kora kongra bour masa wona fiso shida. Il y a un code sur. Il y a un code sur. Tout le monde est dans le cadeau. Il y a un code sur. 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 Tu vois là, je suis là, je suis là, je suis là. Oui, tu as un code sur. Tout le monde est dans le cadeau. Il y a un code sur. Il
tibala tekra ka vim poa tem shul chane berde makanda ba yeshawa rus kanti mailo ya nem gen lam jindamba ya nem gen dit ni jindamba dam kota yam shuguri dam kota tona ba shuguri wen nam shenka tu herima yam ya tirer la songo yam ya nimban jata ya ni ba man su shames ya ni ba man yire la bangam ti am plata wutuye ya wutu tu kota yam shuguri binunam kila ro pla par bu gama binunam kila ro pla par bu gama pangara wa kila ro pla par bu gama pangaru wa kul faru rus kanti be ya faya ada je tan lui ro pla par bu ya ne wem wa furi la wa men nan ko yella buto abu amen nan wela yella wa na ko to kila ba ti liklo kila ba ta je tan bur ko talo kila ba te kum jindam bur ko teblo kila ba te gwem shi bur ko teblo Makanda ba yasawat lundailo. Wish la baraka. Amen. Chirou nam la banongla. Papa bien-aimé. Alors la parba. Des hommes et des femmes. Abchaka mo wor djijim handa. En honorer le sang de Jésus versé. En kilayam yor nankinga djine. Donc écoutez pour aller devant Dieu après. Ton meya ka chedamba. Nous sommes des témoins. Tout ça comme des témoins de quoi bien quoi ngadam. Donc lui sont des pécheurs. Yam ya nimban jota. Tu es miséricordieux. Tu as chargé Isaïe de crier que tu as honoré ton commandement et tu l'as agrandi. Même si quelqu'un n'en tenait pas compte, toi tu le nom. Tu as honoré la sanctification. Et celui qui demain il reçoit, tu l'as honoré. Ta parole nous dit. Et c'est par ta parole et la prière qui amène à perfection. Nous avons donné ta parole. Les gens ont écouté et ils veulent te demander pardon. Que cette promesse vienne sur eux. Que les gens soient sanctifiés. Que cette promesse vienne sur eux. Qu'ils deviennent purs. Qu'ils deviennent purs sur place. Sans eux viennent les sanctifiés. Qu'ils deviennent blancs que la vie. David a demandé, il a obtenu. Que ces gens obtiennent. Aussi. Dieu pardonne-les. Ce que leur maison est. Avec la haine, la bagarre, le sommeil, la faiblesse. Invoquant le sang de Jésus. Que Dieu les secoue. Quand l'avènement de Jésus. Que personne ne reste. Pardonne-les entièrement. Regarde. Mais le péché qui peut empêcher quelqu'un de ne pas voir Dieu. Que Dieu ait pitié des gens. Il faut ôter ses péchés. Autre à cette culture, viens les sanctifier. Aide les personnes. Aie pitié d'eux. Si Saint-Esprit. Demandons, parle-leur dans leur sommeil. Dieu très haut. Eh bien, laisse-les. On n'entend plus les propos de Saint-Esprit parle. Saint-Esprit ouvre les yeux. Saint-Esprit ouvre le cœur. Même s'ils dorment. Que tu continues de les parler à leur esprit. Parce que l'avènement de ton fils est proche. Dieu les pardonne. Pardonne les enfants. Pardonne les femmes. Pardonne les jeunes filles. Pardonne les jeunes garçons. L'esprit de Dieu. La tristesse. Sois pardonné devant Dieu. Le découragement. Sois pardonné devant Dieu. Le rétrograde. Sois pardonné au nom de Jésus. Tout fardeau. Que les emporte. Et c'est son ennemi qui l'a porté. Saint-Esprit, déchargez les fardeaux. Dieu aide-les. Tu bien baba. Afin que les ennemis les relâchent. Que les démons les relâchent. Fais-les tout bien. Dieu très haut. Encore les accidents. Pour les gens. Annule ces morts prématurées. Pour les gens. Annule ces morts prématurées. Pour ces gens. Annule les programmes de pour ces gens. Annule les découragements. Pour ces gens. Parce que tout cela appartient à l'éveil. Qui
que le royaume du diable, le royaume du sommeil, le de la misère, s'en va. Délivre-les. Fais-les du bien. Qu'il soit juste. Si quelqu'un en attendant cela. Ce que tu as dit. Que Dieu les pardonne. Que la puissance de Dieu vienne sur eux. Dieu les sanctifie entièrement. Que partout le monde entier. Que Dieu les sanctifie. Au nom de Jésus. Amen. Amen.